Et bonjour, c'est parti pour la suite de notre let's play sur Kingdom Hearts Melody of Memory, épisode 8, je crois. Je commence à perdre le fil, je commence à enchaîner un peu trop peut-être, mais c'est pas grave, ça qui est bon. On est parti du coup pour la partie Dream Drop Distance, et je n'ai pas pris l'équipe de Dream Drop Distance. C'est pas très grave, mais on fera pour la prochaine musique. Dream Drop Distance, qui est un jeu que je connais pas si bien que ça, parce que je l'avais vu il y a un moment. Mais il était sympa. Il était assez sympa, et puis bon, on faisait bien le lien justement entre les différents caches et Kingdom Hearts 3. Étant donné que c'est l'épisode qui se passe juste avant Kingdom Hearts 3 en fait. Tout simplement. C'est un épisode, je crois que c'est le premier épisode de Cache où tu peux réellement réincarner Riku. Et en fait, là, je viens de me rappeler que dans Chain of Memories, tu peux incarner Riku. Donc j'ai rien dit. Mais bon, dans Chain of Memories, il faut avoir fini avec Sora pour jouer avec Riku. Donc voilà. Ce qui n'est pas le cas dans Dream Drop Distance. Yes. Bon. C'était à peu près propre. À peu près. À peu près. Mais la vraie question, c'est... Yes, on a 3 étoiles. Nickel. Parce que là, bon... on va avoir besoin de pas mal d'étoiles, en vrai. Par rapport au nombre d'étoiles qu'il y a disponible. Je crois qu'il en faut 28. Il y en a 44 en tout dans ces niveaux, donc on a intérêt à être assez bon et assez bien parfait en termes d'étoiles. Enfin, en vrai, je pense que ça va être comme pour Bubba Sleep. Et j'ai pas changé d'équipe. Ça va être comme pour Bubba Sleep, je sens, c'est-à-dire qu'on va certainement faire ça en deux fois. Au secours! Zéro timing. D'ailleurs, ça me fait penser peut-être que. Je sais pas si j'essaierai pas de faire The World and Review. Avant. De faire Dream Drop Distance. Parce que. Y a un mini lien de mémoire. Et bon. A priori, y a aussi un lien tout court. Avec KH3, mais on en parlera le moment venu. Et comme je connais pas World End Review, je pourrais pas vraiment en dire grand chose. Mais non, mais... Oh, c'est loose, hein. Bah ouais, c'est loose, hein. Oh, le timing. Zéro timing. Ouais, c'est dé comme décevant. Terriblement décevant. Bon, on va changer d'équipe. On va changer d'équipe et on va passer en difficulté standard. Hein? Parce que...
Parce que ça ne va pas. Alors, équipe. Petite différence de level quand même. Très légère différence de level. Pas du tout une équipe préférée, moi, dans l'histoire. En vrai, j'adore l'équipe de Barbe et Slip aussi. Donc bon. Non, pas celle-là. Jouons tranquillement. Essayons déjà d'apprendre la musique avant de tryharder la musique. Ça se trouve, il n'y aura même pas besoin de tryharder la musique en plus, donc voilà. Et alors par contre, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas des Charity, parce que Charity c'est autre chose. Mais c'est des créatures des rêves, mais je sais plus comment ils s'appellent. Ils nous accompagnent dans une grande distance. Du coup, n'empêche, on joue à un jeu où on a les souvenirs de Kairi, dans lequel on ne joue pas Kairi. Après, on n'est pas à l'abri de débloquer une cinquième équipe, en vrai. Hein. Bah ouais. Faut appuyer. Dream Drop Distance, donc Cage 3D, qui était sorti sur 3DS à l'origine. Et pareil, bah du coup, qui s'est retrouvé dans une version remasterisée sur la version 2.8, je crois que c'est ça. Oui, il est dans la 2.8, je vous confirme. La 2.8 qui est là. Ouais, si, on la voit. Yes! Ah yes, ah, je suis content, 43, ouais. Au moins, on a 4 étoiles, vous me direz, c'est l'essentiel. On a les 4 étoiles. Master Yen Sid knew that Sora and Riku still had a lot to learn before they could stop Master Xehanort. So he prompted them to take the Mark of Mastery exam. The exam required the two to dive into sleeping worlds and reawaken them by unlocking their keyholes. But an unfortunate encounter caused Sora and Riku to be flung into different worlds. Fighting alongside benevolent dream eaters, or spirits, they carried on. Suddenly, a boy in a black coat appeared. Ah, les avales rêves, c'était ça. Enfin, les avales rêves, c'est les ennemis, mais... Bon, c'est plus ou moins les... Voilà. Tout au moins pareil. On a pile le nombre d'étoiles qu'il nous faut, c'est bon. On a évité un problème, un grand problème. Alors, la cité des cloches, la grille, ou mélodie respectueuse. Ouais, non mais on va commencer par ça.
vraiment belle cette musique. Je trouve. Nice. Nice. Bon, alors on va chercher un peu, on va essayer de chercher un peu les 3 étoiles, ceci dit, en vrai. Enfin, les 3 étoiles. En tout cas, le maximum d'étoiles qu'on puisse faire. Ouais. Ouais, ça va être complexe, ouais. Ouais. Moi, je vous laisse la cam, allez. Pas appris tout ce que t'as fait, non. Pas comme ça. Thank you.
phase, elle est infâme en vrai. Hein. Cette phase-là, je suis dans l'anti-timing. Hein. Vous savez quoi, on va faire un truc. Vous savez quoi, on va faire un truc que j'avais dit. Ah, est-ce qu'on fera pendant le let's play, lol, lol. On va utiliser un objet. On va utiliser une méga potion, carrément. Vous savez quoi, au moins, en cas de drame, on a la méga potion. On a un combo à faire quand même par contre. Merci la méga potion, parce que sans ça on l'aurait pas fait. Hein. Mais c'est infâme la phase à la fin. Là. Au moins on a le combo, hein. J'ai envie de vous dire, on a le combo de. Le combo en hard. Voilà. Donc au moins c'est plus à faire. Pour avoir la voilà, pour avoir la troisième étoile, je vais pas trop galérer normalement. J'aurai juste à refaire le niveau, je sais pas combien de fois, et ça ira. Oh putain! Au secours! Yes, 20 minutes pour deux niveaux. Hein. On est bien. Hein.
On est bien. Passons à la suite. Sans plus tarder, la suite. La suite, et cette fois-ci, on va commenter. Hein. On va même si Twitter, on est en hard. Oh putain. Oh, au secours. J'ai pas regardé les objectifs. Attendez. Sur le morceau avec au moins 40%. Ah, 18. Pas sauter plus de 10 fois, 40%, élimine 130, ok. Bon, faut pas qu'on saute trop. Un, deux. Après, si le jeu est bien fait, j'ai besoin de sauter moins de 18 fois. Là, ça a pas compté comme un saut. C'est quoi le timing là? C'est. Waouh! Un, deux. Ah, j'ai toujours ma méga potion. Ça va, ce sera pas trop mal passé. Voilà. Bon, par contre, il me reste... Il y a 3 ennemis waouh. Après, vu que j'ai fait 4 ratés, on peut imaginer que sur les 4 ratés, il y en a au moins 3. C'était des waouh waouh, là. Les ennemis chiens. Je crois que c'est ça, hein, les waouh waouh. Miaou waouh. Non, mais c'est pas des chats, hein. Mettre en normal. J'ai encore ma potion, mais normalement, tant qu'elle est pas utilisée, ça va. Finalement. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre.
sans pote, je crois. Je crois, pas sûr. Yes! Nickel. Ce qu'on appelle une domination digitale. Parce que le titre... Bref. Ok. Voilà. En plus, on a les 3 étoiles. Que demande le peuple? En tout cas, moi, je demande rien de plus, comme d'habitude. Je pense que... je sais pas combien de fois j'ai dit cette phrase à chaque fois que j'ai obtenu les 3 étoiles, mais... Paf! Ah, je me rappelle plus qu'il y avait le monde de Pinocchio. Bon. Oui, on est d'accord. Bah écoutez, on peut continuer, hein. Let's go. J'ai pas regardé les objectifs. J'aurais dû. Mais ce n'est pas grave. Tant pis. Enfin, tant pis. En vrai, tant pis, mais pas tant pis. Attendez. En difficulté. Aïe, 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 je vois une difficulté standard, c'est bon. Ok, on peut. Il y a un temps que j'ai pas, je crois. Je crois que j'ai fait deux fois à peu près la même erreur, en fait. Mais bon. D'ailleurs, c'est marrant parce que... En vrai, j'ai pris le réflexe d'utiliser quasiment que les gâchettes pour attaquer. Le bouton croix, je l'utilise que quand j'ai besoin de faire des attaques trio. C'est assez insane. Au début, j'essayais de diviser à droite, à gauche, en fonction L1, R1, machin, mais... Non. Depuis une certaine chanson que je ne citerai plus... Je fais juste au plus rapide. On a combien d'étoiles? 16, ok. Bon allez, on a le temps de finir ce monde. Au moins, et ensuite on verra.
Ok. Ok, bon j'ai pas vu les objectifs mais... Mais bon. On va espérer qu'on en a rempli quelques-uns quoi. Ce serait bien. Forcément, il y en a un qu'on n'a pas pu remplir. Évidemment. Mais bon. Ok. C'est bon. Regardez vite fait si on pouvait le faire en standard. On peut le faire en standard, go. Comme ça, en fait, ça nous évite aussi d'éventuellement galérer sur le level. Et donc de le refaire, d'avoir à le refaire 100 fois. Quoi? Je crois que j'ai toujours l'impression d'équiper d'ailleurs. Ouais non, la caisse, non, la caisse elle était pas dans un temps, je n'ai pas appuyé parce que non. J'ai pas vu la caisse, je l'ai pas vu, voilà. Je l'ai pas entendu, pour être exact. Mais bon. Voilà. D'accord, esquiver des attaques à distance, mais ça forcément si, oui. Bon, ok. Ça va. C'est un défi qui est pas trop compliqué à faire. Ok. Là on avait 11 étoiles. Nickel. Ah mon... Si on a... Ouais voilà, non, si on a besoin de 28. Ok. Bah let's go, faisons ça. Hein. Juste, on a combien d'étoiles? Ouais, ok. Allez, on va essayer de briser tous les tonneaux. One for all. Oulala. Non. Non, on a dit toutes les caisses. Toutes les caisses et les barils. On recommence. On va pas recommencer 36 fois non plus, hein, ceci dit. 1, 2, 3.
3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors je crois qu'il y en avait 5, mais c'est pas grave, hein. Mais non! Tant pis. Vous allez voir qu'il va nous manquer qu'un. Hein. Mais non, mais tant pis, pas grave. Bon, non, voilà, pas de regret. Bon, un peu quand même, mais... Attendez, c'était pas... C'est en même temps ou c'était pas en même temps? J'ai pas compris, là. Au secours. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 2, 3. Ouais, cet enfer. Oh. Oh là là. Ah, c'est l'éclate, hein. Pas appuyé sur le bon bouton. Vous allez voir qu'on va mourir, hein. Ni plus ni moins, hein. Yes! Bah heureusement qu'on avait la potion, hein. Vous savez quoi? Revenir au menu 1, hein, voilà. On va faire ça, on va faire ça, et on va faire ça. C'est pas grave, hein, pour les caisses, on... Hein, Plus tard. Plus tard. Ah, c'est pas... voilà. Déjà, c'est une leçon de la chanson une première fois. Normalement, si je fais ça correctement, donc si j'esquive toutes les attaques en sautant là, et que je récupère tous les trucs en suspension, normalement je crois que j'ai 2 étoiles. Donc, on va s'en contenter, hein. Ce sera très bien, hein. Pour un début. Quoi? Ouais, bah. De toute façon, dans tous les cas, il va falloir que je repasse la musique, donc au pire. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ce serait quand même bien d'avoir au moins 1 étoile par contre.
c'est pas fameux. Hein. C'est... Ouais, pas content. Hein. Honnêtement, je vous l'avoue... pas très content. Hein. Yes. Yes, yes, yes. Bon. Et All for One. Après un pour tous, tous pour un. Let's go. Oh là là. Il est bizarre le timing. Un, deux, trois. Un, deux, un, deux. Un. 1, 2, 1. Un, deux, trois, quatre, cinq. En fait, ouais, d'accord, t'as un truc qui est dans le rythme et un truc qui est en contre-temps. C'est horrible. Mais au moins, on le sait. Un. Ouais, je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. Je le suis pris, mais Elle est bien la musique, hein, mais par contre, c'est compliqué. Hein. Ouais, ça devient compliqué quand même, hein, un peu le jeu, là. Hein. Ah oui, non, mais oui, parce que, d'accord. 45%, mais dans une difficulté qui n'est pas la nôtre. Sora et Riku continuent traveling from dream to dream. However, the cloaked boy, Ansem, and Xemnas appeared everywhere Sora and Riku went, misleading them with every encounter. Meanwhile, Mickey was caught up in one of Maleficent's schemes, but he was saved by Lee, formerly known as Axel, from Organization 13. Master Yen Sid agreed to make Lee a Keyblade wielder to catch Xehanort off guard in hopes of defeating him. Best boy. Après best girl, c'est best boy. Ok. Méga potion, yes. Et bah voilà, bon écoutez, on va s'arrêter là je pense pour cet épisode. On a combien d'étoiles? 23, bon. Dans le prochain... Attends, hein? Oui, voilà, ok. The World War... Comment on appelle ça? C'est Illusionopolis. Ouais, voilà, Illusionopolis. C'était écrit au-dessus. Très bien. Bah écoutez, ouais, là, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc la prochaine fois, on finira Burst by Sleep et bah, j'imagine que... Que ce faisant, on pourra attaquer d'autres mondes. Après, est-ce que de la même manière que pour...
qu'en ayant fini Burby Sleep, en finissant Dream Drop Distance, on va débloquer un autre truc, un autre chemin par là. Je ne sais pas. On verra bien. Mais en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.